Salut tout le monde, donc voilà, ici je me trouve en fait au marché de Tsukiji. C'est vraiment pas évident de se déplacer parce que si je m'arrête 15 secondes en fait on peut bousculer par ce genre de carte. En fait elle est un peu partout, donc par exemple là on peut voir. En fait ce marché est le plus grand marché au monde. On y vend environ 1500 tonnes de poissons par jour. C'est vrai uniquement le dimanche, donc ça vous donne un peu une idée de ce qui est vendu tous les jours. Maintenant au niveau du type de poissons, il y a une variété exceptionnelle de poissons, mais qualité aussi. C'est la première fois que je vais au marché où ça ne sent pas le poisson, donc je vous garantis, en fait il y a une quantité monumentale de poissons, mais ça sent rien. C'est clean quoi, c'est vraiment c'est propre, c'est hallucinant. Donc maintenant on va vous montrer un peu les diverses variétés qui se trouvent ici. Donc ici j'ai des petits coquillages. Ici j'ai des moules mais qui sont immenses. J'ai des moules. J'ai de la Saint-Jacques aussi, elle fait genre elles font 2 fois maintenant en fait. Des huîtres aussi, je pense que aussi grosses j'en ai jamais vu. J'ai du crabe aussi. Il y a différents types, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. En fait, il y a plein de trucs que je ne sais pas comment ça s'appelle ici. Donc voilà, ça va vite être résumé. Donc voilà, ici il y a un crabe avec des longues pattes. Ici par contre, il y a beaucoup de poissons vivants aussi. Donc là par exemple, j'ai du crabe vivant, mais il y a aussi beaucoup de vraiment de poissons qui sont en vie. Donc ici, c'est des œufs de je ne sais pas quoi. Donc là maintenant, je vais me déplacer un peu. Je vais me déplacer. Comme vous pouvez le voir, même en déplacement, là ça va encore, mais bientôt ça va vraiment pas devenir évident. Voilà, là je me déplace. Ok, bah ici comme vous pouvez le voir, il y a d'autres variétés de poissons. Il y a d'autres variétés. Il y a de la crevette. Donc là. Encore des moules. Donc ici. Ouais, ici par exemple, comme on peut le voir, en fait, tout le poisson est vivant. Donc ici par exemple j'ai de la sole. J'ai de la sole. Et d'autres variétés. Par exemple ici que je ne connais pas non plus. Enfin, par contre je vais me déplacer parce que là je commence à déranger les personnes. Je commence. Donc voilà, ici par exemple j'ai un petit filet de thon rouge. Donc c'est rien d'exceptionnel. C'est vraiment pas le meilleur morceau, rien qu'à la première vue. Par exemple, le petit morceau là, c'est un très très bon morceau. Ici par exemple j'ai de l'anguille, donc c'est les petites anguilles, mais elles sont vivantes aussi en fait. On gagne un gage de qualité en fait. Ici, encore du poisson. Donc, je sais pas si vous voyez. Bien sûr, tout poisson que vous voyez, c'est pas des aquariums par plaisir, c'est des aquariums où le poisson va être pris et vendu. Et s'il n'est pas vendu aujourd'hui, en fait, il sera tué et exporté. Voilà. Donc en fait, en gros, ce qu'on nous vend, c'est les restes de ce que vous avez trouvé ici. Donc déjà là, en fait, au matin, il y a une première partie du marché. Il y a une première partie. Donc, en fait, au matin, il y a, comme je disais, une première partie du marché où en fait, les bateaux arrivent. Dans une première partie du marché, parce que nous on n'a pas accès malheureusement, parce que à force que les touristes viennent, en fait les pêcheurs sont pleins car on les dérangeait. Malheureusement, par le manque de respect, les étrangers en général en rue. Donc maintenant on n'a plus qu'accès à la deuxième partie de ce marché, où puisque théoriquement on n'est pas encore vraiment toléré. Donc c'est pas vraiment fait pour utiliser. C'est plus fait pour vraiment là, le magasin, enfin les indépendants et les restaurateurs. Voilà, bah je continue. Ah, thanks. Là par exemple, un gros thon. Donc voilà, vous voyez comme ça quand ça se déplace, quand ce qu'il est déplacé. Ah voilà, vraiment pour continuer, bah voilà, ici par exemple c'est du fugu. C'est le fameux poisson qui a pu être préparé par un chef vraiment spécialisé, sinon vous risquez votre peau. Là, c'est la version adulte.
Et là, bah, comme vous pouvez le voir, il y a du poisson à profusion, quoi. Donc, vous pouvez tout ce que vous voulez ici, quoi. C'est assez hallucinant. Donc, bah voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et à la prochaine. Ciao.